Est-ce qu'il y avait autant de juifs dans l'église qu'il y a eu de chrétiens aujourd'hui? Czy wtedy, kiedy Żydzi tutaj byli w kościele, to było ich tyle w kościele, co dzisiaj katolików? Prawie, że tak. Tak było. Il fallait combien de camions à gaz pour vider tout ça? Ile trzeba było ciężarówek tych gazowych, żeby opróżnić kościół? Trzeba liczyć 50 trzeba liczyć, przeciętnie 50. 50 moyenne. Il fallait 50 camions pour vider tout ça. C'était un trafic incessant. To znaczy ciągle samochody podjeżdżały i odjeżdżały bez przerwy, tak? Madame disait tout à l'heure que dans la maison d'en face, c'était là qu'on entreposait les valises des Juifs. Pani powiedziała, że te żydowskie bagaże potem były w domu vis-à-vis, tak? Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces bagages? Co było w tych bagażach? Pieniądze. Parfois, il y avait des casseroles à double fond. Qu'est-ce qu'il y avait dans les casseroles à double fond? I co było w tych garkach o podwójnym dnie? Tam było to dobre. Wartościowa rzecz. Il y avait des objets précieux, qui avaient une valeur. Zaszywane w kapoty. Oui, il y avait aussi de l'or dans des vêtements. Chyba nam Żydki podały, jak im jeść dali. On leur donnait à manger, les Juifs leur jetaient parfois des objets précieux, parfois de l'argent. Et ils ont dit tout à l'heure qu'ils ne pouvaient pas parler aux Juifs, que c'était interdit. Powiedzieli Państwo, że nie można się w ogóle było odzywać do tych Żydów, ale czy usiłowali Państwo jakoś ich... Nie wolno. C'est absolument interdit. Nie wolno. Demande leur, est-ce qu'ils regrettent les Juifs? Czy żałują Państwo tutaj tych Żydów? Żałowali ich Państwo? Proszę? Żałują Państwo ich? Żałowali ich Państwo? A jak jeszcze? Bien sûr. Płakali po rozliwie. Nous avons pleuré tout comme eux, dit la dame. Ja im chleb i ogórki nosiłem. Et monsieur Kantorowski leur donnait de la nourriture, du pain et des concombres. Demande-leur à leur avis pourquoi toute cette histoire est arrivée aux Juifs. A jak się Państwu zdaje, dlaczego to wszystko spotkało akurat Żydów? No byli najbogatsi. Parce qu'ils étaient les plus riches. Ja bym tu coś powiedział. Pas mal de Polonais qui ont été exterminés. Ja bym jeden ten temat. Monsieur Kantorowski... Opowiadał mi jeden znajomy, ja to wystąpię i powiem. Opowiadał mi jeden znajomy. To było w Międzyrzeczu za Warszawą. Chwileczkę. Alors, il va raconter ce que ses amis lui a dit. Ça s'est passé à Międzyrzeczu, près de Varsovie. Vas-y. Tak. Więc przywieźli na rynek Żydów i wystąpił... W ogóle, z całego miasta, z Międzyrzecza. Wystąpił rabin. Powiedział, poprosił tych esmanów, czy może mu coś powiedzieć. A więc ten powiedział, proszę bardzo. Chwileczkę. Alors, juif de Międzyrzecz ont été groupés dans une place et le rabbin voulait lui parler. Il a demandé à NSS, est-ce que je peux leur parler? L'autre lui a répondu, oui. Więc ten rabin oświadczył w ten sposób, tak oświadczył, że kiedyś około 2000 lat Żydzi skazali Chrystusa na śmierć. Niewinni. Alors le rabbin a dit que il y a très longtemps de ça, à peu près il y a 2000 ans, les Juifs ont condamné à mort Christ qui était tout à fait innocent. Więc kiedy skazali na śmierć, więc wtedy wołali krew jego na nas, niech spadnie i na synów naszych. Alors quand ils ont fait ça, quand ils l'ont condamné à mort, ils ont crié que son sang tombe sur nos têtes et sur celles de nos fils. Oui, oui. Więc wtedy ten rabin oświadczył. Więc może akurat teraz ta krew, ta niewinna krew spadła na nas. Więc nie stawiajcie oporu, taka wola Boża i tak się stać musiało, więc idziemy wszyscy zgodnie. Alors, le rabbin leur a dit, peut-être ce moment est arrivé que ce sang doit tomber sur nos têtes, alors ne faisons rien. Allons-y, faisons ce qu'on nous demande. Donc il pense, on y va. Ils pensent que les Juifs ont expié pour la mort du Christ. Także, myśli pan, że to za śmierć... No ja nie przypuszczam i nie, tu nie posądzam Chrystusa, że się mścił. Il ne croit pas et même ja il ne pense pas que Christ veuille se venger. Non, lui, non. Il n'est pas de cet avis. C'est le rabbin qui l'a dit. Ah, c'est le rabbin qui l'a dit. C'était la volonté des dieux, c'est oui, tout. Piłat umył ręce i powiedział. Nie winien jestem krew tego, krwi tego człowieka, że on jest niewinien, żeby go uwolnili, Barabasza wystawił. A Żydzi krzyczeli, krew jest
niego, na nas i na nasze dzieci. Alors, quand Pilate lavait les mains, il a dit, cet homme est innocent, je ne veux plus avoir affaire avec cette histoire-là. Et il a envoyé Barabbas, mais les Juifs ont crié que son sang tombe sur nos têtes. C'est la fin, vous savez tout. Te dzieci wszystko zagazowane 12 tysięcy. Nie dali nam.